Le meilleur des deux mondes. Une meilleure appréciation de la nature de votre être intérieur est un point de départ essentiel à toute compréhension. Savourer pleinement l'expérience physique joyeuse et enrichissante que vous êtes tous venus vivre ici n'est possible que si vous acceptez de vous ouvrir à votre être intérieur et consentez à recevoir la perspective élargie qu'il offre. Dans votre monde, la plupart des gens ne pensent qu'à faire des choses. Ils sont entrés dans une réalité dominée par le besoin d'agir, et accordent donc une importance extrême à cette nécessité. Voilà pourquoi ils sont si nombreux à s'affairer sans arrêt, remplissant ainsi toutes les heures de la journée d'une activité débordante, en ayant pourtant le sentiment frustrant de n'avoir presque rien accompli. Plusieurs années avant d'établir un contact conscient avec Abraham, Esther a travaillé pendant ses études dans un établissement consacré à ceux qui, estime t-on, souffrent d'une maladie mentale. Un matin, alors qu'elle se promenait le long de son sentier habituel sur le terrain de l'hôpital, elle observa quelques uns des patients déplaçant de gros amas de terre à l'aide d'une grande machine. Le premier jour, ils transportèrent la terre d'un coin de la cour jusqu'à un autre. Le jour suivant, ils déplacèrent le tout dans un nouveau coin. Le troisième jour, ils ramenèrent toute la terre dans le premier coin. Esther demanda alors à l'un des surveillants ce que ces gens faisaient là. Celui-ci répondit Oh rien de particulier, nous les tenons simplement occupés en leur donnant des travaux à accomplir. En entendant cela, Esther ne put s'empêcher d'éprouver un sentiment de vide et de tristesse. Ils doivent sûrement avoir autre chose à faire dans leur vie que de simplement déplacer des tas de terre, dit-elle. N'est-ce pas justement ce que la plupart des êtres physiques font toute leur vie durant, déplacer des choses d'un point à un autre Puisque vous ne comprenez pas la nature des grandes lois régissant les réalisations et l'évolution, vous vous bercez tous de l'illusion d'un faux sentiment de progrès en gardant les choses en mouvement autour de vous. Vos actions et vos efforts sont souvent offerts comme une sorte de justification de votre présence ici. Tandis que vous travaillez, agissez et effectuez plein de choses, ce que vous créez est souvent fait d'une manière que nous pourrions qualifier de rétrograde vous désirez sans cesse poser des gestes, croyant que les choses qui surviennent sont le résultat de vos actions. Sans la perspective élargie qu'offre la dimension intérieure, vous êtes sévèrement limité sur cette terre car ce que vous pouvez accomplir est inévitablement restreint lorsque vous dépendez uniquement de ce qu'il est en votre pouvoir de faire. Mais, en permettant à votre vision intérieure plus vaste, de fusionner avec votre perception de la réalité, vous pouvez littéralement accéder au pouvoir de l'univers, lequel peut ainsi vous assister dans vos créations ou réalisations physiques. Beaucoup parmi ceux que vous avez étiquetés comme génies ou maîtres en raison de ce qu'ils ont réalisé dans le domaine artistique ou scientifique, étaient des êtres physiques, tout comme vous, qui s'étaient simplement accordés l'accès à un savoir plus vaste. Il leur avait suffi d'ouvrir la porte à leur propre univers intérieur et à y puiser une sagesse infinie, attirant à eux les détails précis désirés. Vous les avez mis sur un piédestal et vénérés comme des êtres d'exception alors qu'ils étaient à mains égards semblables à vous. La seule chose qui les distinguait était d'avoir reconnu leur connexion avec tout ce qui... Vous êtes, chacun de vous, beaucoup plus que ne le laissent deviner vos perceptions physiques, car le nombre de vos années terrestres ne reflète en rien tout ce que vous avez vécu, appris et réalisé auparavant. Vous disposez de grandes ressources de savoir inné et de force intérieure, cependant peu parmi vous les utilisent. Votre désir est là, mais vous ne comprenez pas comment procéder n'avez pas reconnu que ces ressources sont là, en vous. En général, vous espérez trouver satisfaction à vos attentes dans un quelconque avenir, lorsque viendra le week-end, le temps des vacances ou votre retraite. Si seulement j'avais plus d'argent, je serais heureux. Quand je trouverai le partenaire parfait, je me considérerai heureuse. Dès que j'aurai déniché l'emploi idéal pour moi, ce sera le bonheur, Complet. Vous projetez éprouver de la joie et de la satisfaction dans un avenir proche ou lointain, mais ressentez très peu de bonheur en ce moment présent. Et pourtant, c'est seulement en cet instant précis que vous pouvez vraiment goûter aux joies de la vie. Nous touchons là à l'essence même du motif pour lequel nous entrons en contact avec vous par ce livre audio. Nous désirons vous aider à comprendre qui vous êtes et pourquoi vous êtes ici dans ce corps physique. Nous voulons aussi faciliter l'ouverture consciente et délibérée en vous d'un passage entre les dimensions physiques et non physiques. Un passage si clair que la communication consciente sera possible dans les deux sens entre les dimensions. Nous avons l'absolue certitude que tant que cette connexion n'aura pas été établie entre votre être physique et votre être intérieur, vous ne pourrez réaliser tout ce que vous aviez l'intention d'accomplir au moment de votre émergence en ce corps. Un jour, Esther descendit ouvrir la barrière à son époux qui revenait en voiture, et alors qu'elle était debout à l'attendre, elle observa que le ciel était plus beau que tout ce qu'elle avait jamais vu, avec des couleurs plus profondes et nettement différentes de ce qu'elles étaient habituellement. Elle entendait les sons avec plus de clarté qu'auparavant et ses oreilles parvenaient à capter le chant d'oiseaux qui lui semblait beaucoup trop loin. L'air, chargé de parfums inhabituels, était un pur délice à respirer. Et le vent lui donnait l'impression d'une merveilleuse caresse sur sa peau. Immobilisée par tant de beauté, les larmes aux yeux, elle s'exclama :« À coup sûr, il n'y a jamais eu d'expérience physique plus délicieuse dans tout l'univers. » De compréhension, elle ajouta Abraham, c'est vous, n'est-ce pas Large sourire fendit son visage, car elle nous avait surpris à regarder furtivement à travers ses yeux, à écouter par ses oreilles, à sentir par son nez et sa peau. De fait, nous profitions par l'entremise du corps d'Esther des exquises sensations qu'offre votre monde physique. Nous aimerions vous faire comprendre les incomparables avantages qu'il y a. À vous aligner avec votre être intérieur et à accepter une relation suivie avec celui-ci. Grâce aux pensées qu'Esther avait délibérément et consciemment choisies d'avoir, elle s'était haussée à un niveau vibratoire qui avait rendu possible la pleine expression de sa relation avec Abraham. Elle avait entamé sa journée en affirmant clairement l'intention suivante Aujourd'hui, peu importe où je me trouverai, ce que je ferai et avec qui je serai, je chercherai avant tout ce qui me rendra heureuse. Contrairement à la croyance populaire, l'accès au savoir et au moment de plénitude qu'offre le contact avec la dimension non physique n'est pas réservé seulement qu'à certains initiés. Si vous êtes disposé à approfondir la communication et à explorer le réservoir de connaissances, de force et de clarté ainsi accessible, voici comment procéder. Tout d'abord, il est important que vous soyez animé du désir d'ouvrir ce passage. Il vous faut vouloir atteindre cet objectif. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à réserver le temps nécessaire pour vous y consacrer. Prenez de 15 à 20 minutes chaque jour pour vous asseoir dans le but d'apaiser votre esprit conscient. Il n'est pas indispensable que cette période d'arrêt soit toujours au même moment de la journée, mais il importe avant tout d'être assidu et de ne pas sauter de jour, car il s'agit d'un processus évolutif. Pour apaiser votre esprit, vous devrez donc vous asseoir chaque jour pendant quelques minutes, et lui donner un temps de repos dans le calme et la quiétude ne pensant à rien de particulier concentrez-vous sur quelque chose dans votre environnement physique n'exigeant que très peu d'attention comme le bruit d'un robinet qui fuit ou la flamme vacillante d'une chandelle se concentrer sur sa propre respiration est aussi un moyen efficace ce n'est que lorsque vous êtes parfaitement libéré des perceptions externes du monde physique, que la conscience subtile de nature non physique peut être perçue. Il est toutefois préférable de ne pas tenter de voir, sentir ou entendre ce qui appartient au monde non physique dès les premiers jours d'exploration de votre univers intérieur. Votre objectif doit alors se limiter à demeurer assis tout simplement, gardant à l'esprit l'intention de parvenir au silence intérieur. Une fois que vous aurez réussi, ne fût-ce que quelques secondes, à réduire au silence vos mécanismes de pensée consciente, vous vous sentirez très différent dans votre corps. Vous éprouverez une sensation d'engourdissement ou de lourdeur. Esther disait qu'elle ne pouvait plus distinguer son nez de ses orteils, puisqu'elle avait l'impression que les différentes parties de son corps ne formaient plus qu'un seul tout. Cet engourdissement est un signe indiquant que vous avez réussi à apaiser votre esprit et que, dans cet état, l'alignement de vos énergies peut alors avoir lieu. Votre objectif initial a été atteint et votre être intérieur peut désormais faire son boulot. Demeurez assis dans cet état d'abandon intérieur absolu. Votre être intérieur commencera alors à aligner vos énergies, harmonisant la fréquence supérieure plus rapide de l'énergie du monde intérieur avec la fréquence plus lente de votre univers physique. Durant ce processus, vous n'avez qu'à rester immobile et persévérer dans votre intention d'apaiser l'activité de votre esprit. Si vous essayez de prendre une part active au processus, votre état d'engourdissement se dissipera et vous pourriez alors interférer avec le travail de votre être intérieur. En répétant ainsi chaque jour le même exercice d'apaisement de votre esprit et d'alignement de vos énergies, vous obtiendrez des résultats de plus en plus satisfaisants jusqu'au moment où vous éprouverez des sensations physiques telles de brèves contractions musculaires, ou une impression de fourmillement ou de frisson sur la peau. Ce sont là des preuves tangibles de l'alignement de vos énergies. Ne prêtez pas attention à ces sensations, car vous perdriez votre concentration. Continuez à préserver le calme en votre esprit, et à focaliser votre attention sur cet endroit de paix sereine en vous. Lorsque vous percevez un mouvement, par exemple, si votre main ou votre tête bouge, ou bien si un doigt ou un orteil remue, et que vous savez ne pas avoir consciemment provoqué ce mouvement, ceci indique que votre alignement des énergies a été suffisamment complété pour entamer la communication. Quand vous observez ainsi des mouvements involontaires de votre corps, comprenez alors que ceux-ci ont été intentionnellement déclenchés par votre être intérieur et que vous recevez consciemment cette impulsion de source non physique. Dès que cela survient, on peut considérer que la transmission et la réception consciente de blocs de pensée du plan non physique au plan physique sont réussis. Il n'y a pas de nombre minimal ou maximal de minutes requis pour réaliser l'ouverture du passage. Si tel est votre désir et que vous vous installez avec l'intention bien claire de procéder à l'alignement, le tout peut se dérouler très rapidement. L'alignement des énergies est un processus extrêmement technique et ne peut être accompli à partir de votre perspective physique. Fiez-vous à votre être intérieur, car il sait parfaitement comment s'acquitter de cette délicate responsabilité. Votre boulot, du point de vue de votre perspective physique consciente, consiste d'abord à affirmer clairement votre intention ou désir que cet alignement se fasse, puis à vous mettre dans une situation physique favorable à sa réalisation.